Nous sommes de ceux qu'on ne remarque pas, des fantômes, des transparents, des moyens. Nous sommes de ceux qui ne rentrent pas en ligne de compte. Nous sommes de ceux qu'on choisit par défaut. Nous sommes de ceux qui ont la peau terne, les traits tirés et le regard éteint, des visages pâles, des teints gris. Nous sommes de ceux qui se délavent de jour en jour. Nous sommes de ceux qui ont du mal à s'entendre penser. Nous sommes de ceux qui se maîtrisent difficilement. Nous sommes de ceux qui mettent mal à l'aise en public. Nous sommes de ceux qui dérapent dans les escaliers des bibliothèques. Nous sommes de ceux qui dansent de façon embarrassante. Nous sommes de ceux qui font l'amour en deux temps. Nous sommes de ceux qui s'y prennent à l'envers avec les autres. Nous sommes de ceux sur lesquels on parie jamais. Nous sommes de ceux qui savent plus raisonner de façon logique. Nous sommes de ceux qui ont tout fait comme il faut, mais qui arrivent pas à des ratés modernes, des semi-défaites, des victoires sans panache. Nous sommes de ceux qui tiennent pas la pression. Nous sommes de ceux qui se font balayer à répétition. Nous sommes de ceux qui se font assister, des baltringues, des éclopés, des faibles. Nous sommes de ceux qui prennent des trucs pour tenir le coup. Nous sommes de ceux qui savent pas dire non, qui connaissent pas la rébellion, qui soutiennent pas les regards. Nous sommes de ceux qui sont tabous. Et pourtant, nous sommes de ceux qui ne renoncent pas à des chiens enragés, des teigneux, des acharnés. Nous sommes de ceux qui comptent bien devenir capables de tout encaisser. Nous sommes de ceux qui établissent des stratégies dans l'obscurité pour reprendre la main, jouer selon leurs propres règles et forcer le destin. Nous sommes de ceux qui en ont assez de leur propre férocité. Des requins tigres en bout de course, des voyous qui demandent pardon, des apprentis repentis. Nous sommes de ceux qui veulent à tout prix tabasser leur part d'ombre et faire taire leur sale travers. Nous sommes de ceux qui cherchent à rejoindre les rangs des lions, des maquisards, des résistants, des sentiments. Nous sommes de ceux qui roulent pour eux et pour leur périmètre. Nous sommes de ceux qui pissent encore dans la douche mais qui espèrent réussir un jour à pisser droit. Nous sommes de ceux qui cherchent à désarmer la mort à coups de grenades lacrymo pour l'effrayer et la maintenir à distance. Nous sommes de ceux qui espèrent croiser la vie un soir au détour d'une avenue pour la séduire, la ramener et lui faire l'amour de façon brûlante. Nous sommes de ceux qui ont les yeux écarquillés en continu, des ahuris, des ébahis qui guettent les comètes, les planètes et les épiphanies. Nous sommes de ceux qui cherchent à déterrer ce qui est enfoui, tout ce qui est caché et qui demandent qu'à être sorti. Nous sommes de ceux qui veulent rétablir le contact avec ceux qui sont partis trop tôt parce qu'ils savaient pas qu'il y avait une fin cachée. Nous sommes de ceux qui continueront à courir comme s'ils étaient poursuivis par les balles, qui desserreront jamais les mâchoires sauf pour sortir les crocs. Nous les plus forts. C'est vraiment l'équipe qui était la moins capable. On sera jamais rationnel avec ce type de lascar. Faut composer avec. On a adapté un jeu différent. Il n'y a que les inconscients qui vous diront le contraire. Ça a été rationnel. Mais sans qu'on se casse la gueule.